Coucou tout le monde, c'est la Timiel. Regarde-moi ce magnifique arbuste, la aile. Moi, je suis déjà en train de le découper. Oh, sans aucune pitié, t'aimes bien les brocolis, avoue. Brocolis. Moi, ça me faisait penser à des brocolis, sérieusement, quand j'étais plus jeune. Moi, je savais pas trop ce que c'était, mais voilà, la fameuse fillette. Qui va te faire plaisir. Tu as aussi des animaux, wonderful. Yo. En plus, elle commence bien, nous dit bien bonjour, yo. 4 Pokémon. Waouh, t'en as plein. Alors on a plein la petite. Du coup il est. Une idée. Du coup il est KO ton. Comment il s'appelle? Ouais mon Kamek il est mort. Comme ça il apparaîtra plus. Comme ça au moins il arrêtera de m'embêter. Une idée il est mort. Digati. Une racine. Au revoir racine. De toute façon là vous êtes tous en train de vous faire crush 40 alors. Niveau 29. Déjà purée. J'ai toujours 2 niveaux d'écart avec toi hein. Mais je crois que la première fois qu'on avait fait rouge et bleu, enfin non, rouge et rouge même, j'étais niveau 62 et toi 60. Oui, il faudrait que j'aille revérifier. Ouh, j'étais paralysé, une idée. J'ai paralysé. Oh non, ouf. J'ai eu peur. Peur de quoi? De me faire empoisonner en dégringolant des montagnes, bien sûr. Ah, bien défendu. Alors vas-y, t'as que des Mathias et des racines. T'as des racines de Tiens, Mathias. C'est quoi cet étrange? Vas-y, sérieusement, ça fait quoi? Eh, mais y'a Thor à côté de moi. Oui, y'a Thor, il est rentré. C'est bien, le chat passe muraille. Alors, on a passé non, d'abord. Non, can do that, man. Oh, téléport. Qui c'est qui a fait téléport? À Tonnerre ou Mario? Non, je rigole. C'est moi qui ai trouvé la CT ah, téléport. D'accord. Attends, y'a un dresseur? Ah oui, je me disais. Yes! Ah non, bah non. Eh, hey, comment il est trop fort! Eh ben ouais, comment qu'il est trop fort! J'espère que j'ai toujours l'antidote. Oh, alors, oui, bon. Tu vois, quand tu auras fini. Oh bon, j'espère que je l'ai toujours. Ouf, oui. Donc, quand j'aurai fini. Eh bien, ici, il y a un chemin et il faut que tu affrontes ce dresseur. D'accord, je vais l'affronter. Route 9, Azuria, grotte. Bonjour, mon ami. Qui es-tu? Porter des mauvais Pokémon, c'est pas bien. D'ailleurs, dans Rouge, Feu, Vert, Feuille, c'est toujours dans cette zone-là que je capture Suicune. Je vais dans l'herbe, là, juste à gauche, il y a de l'herbe, et je capture Suicune ici. Donc ça veut dire que tu commences avec Salamèche. Oh, il a un garde. Je crois que c'est lui qui a le Pokémon que tu veux affronter. Là, je commence à avoir un doute. Ah, parce que là, il a un garde. Alors... Ah, mais je me souvenais pas du garde. Ah, tu le one-shot le garde, toi, avec Tunnel. Je le one-shot même pas avec. Ah bah non, c'est pas du tout lui alors. Bah il est où le dresseur? Ah là, ou alors il est plus haut. Oh Shadow. I am Shadow the Hedgehog. The only one. I have to find the 7 Chaos Emeralds to know my path. Ah non, c'est toi. Je me disais bien qu'il était dans cette direction. De toute façon, on est obligé d'affronter lui, je crois, du coup. Ben, je sais pas si on allait perdu. Assez loin. Ah, mais au moins on a vu Shadow, alors c'est cool. Oh, le de Shadow. Pupae. Il a un pupae. Scoot fait appel à... Van Gogh. Ouh, Van Gogh. Nous avons Van Gogh, le célèbre peintre. Je dois avouer que la plupart du temps, je trouve les sprites de verre très moches, mais le Dardarian est cool. C'est très efficace, Dardarian. Oh, il m'envoie des fleurs. L'attaque des fleurs de Dardarian, c'est la plus puissante. Wow, tu te fais détruire 5 fois. Wow, c'est violent. Scoot fait appel à... Eh, mais il en a plein des Dardarian. En plus, il en a plusieurs. Je croyais qu'il en avait qu'un. Enfin, c'est vrai que là, en fait, je suis en train de faire des trucs stupides. Oui, il en a que 2, en fait. Hein. Ouais, niveau 30. Ouh. Ouh, je viens de passer niveau 28, donc 42, tu es... 42, 62, 62. Tu es niveau... 30. Non, sérieux, Dardarian. Ah, il a dit Nia. Il a fait reste. Ah, il peut faire reste. Je sais pas ce que c'était, mais il a fait reste. Mais reste, c'est pas sleep? Bah si, normalement. Alors du coup, il a fait reste. Je sais pas ce que c'est, mais... Juvénier, il a été battu. Eh, hey, qu'est-ce que je peux faire pour me lever aussi tôt tous les matins? Bah ouais, bah rien. Autre chose que Van Gogh. Ouais. Oh, avec voilà. Ma petite voiture, nous allons. Affronter, oh, on est obligé de l'affronter, lui. Oui. Notre... Super cafard, en avant. Oh, lovely insectly fool.
Je crois que tu... Je crois que tu as beaucoup de... De ketap. Tu as beaucoup de machin pour tes... Allez, Spark Splash. Waouh. Le chenipan est KO. Il m'a fait perdre 4 PV le chenipan, quoi. Ouais, il a même pas eu le temps de me toucher. Sérieux? En fait, je l'ai one-shot. Mais pourquoi tu l'es one-shot avec ton Flamèche? Parce que Goupix, c'est un Pokémon spécial. Mais non, mais moi je crois que j'ai plus de spécial que toi. J'ai 62 en spécial. Je crois que Kaninos a plus de spécial que Goupix, il me semble. Mmh. De plus d'attaque, en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Mais non, mais plus d'attaque spéciale, c'est ça que je veux dire. Ah, mais non, mais avant c'était que la même chose. En fait, si tu veux, Goupix. Oh, attends, il m'envoie un récent. C'est récent. C'est Mimikos. Alors, je vais t'expliquer. Goupix, il a 65 en défense spéciale dans toutes les générations, d'accord? Et il a 45 de base stats en attaque spéciale dans toutes les générations. Sauf que dans la génération 1, l'attaque spéciale et la défense spéciale sont en une stat et c'est le 65 qui l'emporte. Ah, c'était le 65 donc, du coup? Oui. Du coup, là j'ai 65. Du coup, j'ai plus. Mon Goupix est plus fort dans cette version que dans les autres versions. Du coup, moi j'ai combien histoire de. Non. J'aime pas Bureau. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Bureau alors que normalement c'est censé. Non, t'as été trop vite. Alors que c'est censé s'appeler Dig. J'en ai que. T'as que 54 et moi j'en ai 62. Oh, comment ça se fait que là elle est plus forte que Milus? Ce n'est pas normal. Ah j'ai pas coup, fait. Tu t'es fait attaquer. Bon bah, t'es un petit dur toi. Tu es un enfant fort. Bah, tu es un garçon fort. Non, je suis pas fort là, elle me bat avec sa petite Goupix, c'est quoi? La honte. Rakayou. D'ailleurs, les Rakayou, ils craignent Tunnel ou pas? Bah oui. Normalement, c'est des oui. Types proches, donc oui, ils craignent. J'en ai plus que 3. J'en ai 7. Ah! Il fait des attaques de roche, la seule attaque roche du jeu. Il m'a envoyé une pierre. Malheureusement, envoyer une pierre sur Milieu, ça ne sert à rien. Mais je suis vraiment sûr qu'il n'y a pas d'autres attaques roches. Cette pierre, ça doit être la seule. Mince, j'ai fait tunnel sur le Machoke. Bah, c'est comme l'attaque insecte. Il n'y a qu'une attaque insecte. C'est celle qu'on a vue de Dardarnian qui envoie les fleurs. Non, il y a double dard. Double dard. Oui. Double dard. Double dard. Il y a une attaque qui s'appelle double dard. Ah, je m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de celle-ci. Après, c'est comme l'attaque dragon. La seule attaque dragon, c'est Dracourage. C'est une attaque très utile qui fait 40. Et la seule attaque spectre, c'est. Malédiction. Ah non, maintenant. Non, malédiction n'existait pas, c'était ténèbres. Et non, c'est pas ténèbres. Si, si. C'est machin là. Comment ça s'appelle le truc qui sert à rien, l'attaque nulle là, qui fait paralyser les ennemis. Étonnement. Mais elle n'existait pas dans ce jeu. Ah, elle n'existait pas encore. Non, non, il y avait que ténèbres. Ah bon. Et accessoirement, honte folie. D'ailleurs, cette madame, on peut l'éviter, la suivante. Mais elle a un Pokémon que tu pourrais peut-être vouloir dans ton Pokédex. Ah. Enfin, tu voudras pas, mais c'est un Pokémon qu'on n'a jamais vu. Bon, bah viens. Bah, il faut que t'ailles devant, hein. Sinon, ça marche. Allez, come on, no special care for girls. Oh, on ne se s'occupe pas des filles. Bon, j'espère que ça ira parce que je crois que j'ai. Non, elle en a qu'un, t'inquiète pas. Je crois que je commence à plus avoir beaucoup de PP. Nice. Oh, Nice. Ouais, je crois pas me souvenir que quelqu'un d'autre avait de Miaous. Enfin, je me souviens pas des Miaous. Dans la grotte, il y a une dresseuse avec un Miaous, mais si on l'évite, je crois qu'on l'a. Parce qu'on peut les éviter. En faisant des zigzags, et ben on la voit pas. Enfin, je crois. Enfin, on s'en fiche. Mais voilà. Tu ne mérites que ton dédain. J'ai trompé de chemin. Quoi, tu voulais déjà aller affronter Elector? Ouais. D'ailleurs, je me demande si on ira les voir dans le let's play, histoire de voir leur nom, en fait. Je pense, peut-être. Oh, nous voilà dans un centre Pokémon. Mince, j'ai oublié de faire un truc. Qu'est-ce que c'est? D'acheter des insecticides. Je t'avais dit si t'en avais acheté. Tu m'as dit non. C'est pas grave, tant pis. Je crois que techniquement, t'en aurais besoin que de 5. T'en as combien? 0. Mais t'en avais pas acheté? Non. La dernière fois, on avait acheté des potions. Je n'ai jamais acheté d'insecticide. Regarde, j'ai jamais acheté d'insecticide. Bon. Bien comme ça, tu pourras faire rencontre dans le darkness. Purée, on voit vraiment rien en plus. Oh, mais ça va, c'est quand même voyable. Allez, mais... Non, c'est pas voyable du tout. Je monte sur ma bicyclette. Je vois rien du Moi, tout. Moi, j'ai 14 insecticides. Alors... Au début, il faut descendre, et puis après, il y a un espèce de petit passage. J'aurais dû prendre une map. Ah oui, mince, Kamek est revenu à la vie. J'aurais dû prendre une map pour regarder où est-ce qu'il faut aller. Parce que... Bah là, tu descends, et puis c'est bon. Il y a un dresseur, t'inquiète pas. J'affronte... Ah, d'accord. Les animaux se battent. Il a un Rhymolos, alors j'espère que tu es prêt. Oh, c'est quoi ça? Fanatique. Oh, un fanatique. Fanatique à délai.
Oh, Kamek, il veut se battre, Kamek. Faudrait sérieusement que je pense à enlever Kamek de premier. Ouf, il m'a échoué. Mais en fait, non, je dois vous avouer que Kamek, il est là juste pour voir la première attaque. Oh, niveau 31 déjà. Bon, Oh, il est paralysé. Un molos qui fait toujours que choc mental, d'ailleurs. Impossible de machin. Bon. Ce serait bien que tu meurs. Ce serait une bonne idée, non? Tu ne trouves pas? Ah, une idée. Il est tombé. T'es déjà là? Oui, mais j'ai du mal, moi. Je pense que toi, le Ramolos, tu le battras plus facilement moi. Non, je sais pas, tu disais une idée, alors je pensais que t'étais déjà un autre combat. Ah, mais non, c'est parce que t'as dit une idée. Ah, une idée. Bon, mais sérieusement, je dis... Ah non, il m'a ramé avec sa tête. Il m'a ramé avec moi, sa tête. Il m'a fait que choc mental. Il m'a ramé avec sa tête. Bon, bah là, il recommence à faire choc mental. Game over. Je crois que j'ai... Ah non, il m'a fait disable, en fait. Donc il m'a fait disable, il m'a ramé avec sa tête. Je sais pas ce que c'est ramé avec sa tête, désolé. Hein. Ça doit être coup de boule, je pense. Est-ce que je suis battu? Oui. Donc là, il y a juste à suivre le chemin et là, il y a une échelle à trouver. Ah oh, bah c'est bon, elle est illuminée. Mais j'ai fait attaquer par une pierre. La pierre a sauté. Je sais pas si j'attaque les dresseurs avant toi, étant donné que tu les bats plus. Oh! J'avais oublié qu'il était déjà là. Ouais, enfin. Je décide les Pokémon quand je suis tout seul. Cool, non? D'accord, mais comment tu fais pour dessiner dans une grotte dans le noir? Parce que je suppose que t'as pas flash. Let's go! On va faire. On va faire des trucs. Ça me fait penser là, vu qu'on parle de Pokémon version verte, japonaise et tout. Ça me fait penser que dans... Enfin, à l'époque du début d'Internet, il est sorti quand Pokémon Gold en France, voire même aux États-Unis en fait. En 2001, je crois. Ouais, bah dans les années 2000, sur Internet, il y avait déjà les premiers sites. Enfin, Internet existe depuis plus longtemps que 2000, mais. Et ça a commencé à se populariser vers 2000, et du coup, ouais, il me fait pas perdre beaucoup de dégâts. Et il y avait déjà des sites à propos de Pokémon Or justement et. Et donc il donnait des trucs et je me souviens que le Démolos par exemple c'était un type démon. Célébi c'était des prévisions ou alors les gens ils avaient entre guillemets le mal traduit ou des trucs comme ça. Eh mais il me fait plusieurs flamèches. Ah mais du coup ça a enlevé. D'accord quand il fait. Bien il continue tout à gauche non. Il dit bon non c'était pas ça. Oui non faut pas. Mais ouais. Moi je suis toujours contre le Ramolos. T'as du mal! Mais Celebi, c'était l'évolution de Mew. Oh oui. Ah, mais j'avais un livre comme ça qui parlait de la deuxième génération avec les noms japonais et tout ça. C'est vrai que je retrouve ce site. Il y avait des trucs comme ça, comme quoi, je crois, Scorplan, je crois qu'il disait que c'était carrément une évolution de Nosferapti aussi. Oh non! Ah, le voilà ton une idée. Ouais, mon problème, c'est que mon une idée, il m'a un peu embêté. Il t'a fait vampigraine? Non! Il m'a paralysé. Ah. Ça c'est pas cool une idée tu vois. Surtout que t'as pas d'item pour te soigner du poison à la suite non. De la grotte. Tu pourrais te téléporter avec ton Pokémon. À moins que oui on finisse la partie au bout d'un moment et comment ça s'appelle. Tu vas chercher des repousses entre deux parties. C'est vrai que là ça fait déjà presque 15 minutes je vois. Ouais mais en fait non parce que je crois qu'il y a des coupures. Oui. Oh, j'ai attaqué à la maison pour le finir, le carapuce. Ah mince! Le carapuce, le big bizarre, il s'appelle Incon. Lost. Non mais arrêtez de dire tous perdus. Moi, ouais, il faut que je me soigne parce que j'ai été empoisonné. Mais moi aussi, il faudrait que je me soigne, pas parce que je suis empoisonné, mais simplement parce que je. Ou alors on arrête la partie maintenant, tant pis pour. Mince, non. Oh là 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 là! Me tue pas! Oui. Soignons-nous, j'espère qu'il y a encore des potions. Non, j'ai dû en acheter. Oh, t'avais pas des trucs? J'en ai acheté 4. Non, je veux pas le soigner, le Kamek. Je veux pas. T'avais pas un autre item où il y avait écrit cure dessus? Si, point d'interrogation, cure. Bah, essaye pour voir ce que ça fait. Ok. Tu vas donner un truc bizarre à ton Milu. Allez, Milu, tu es le goûteur officiel de la team miel. Bon. Bon, ça. Ça lui a rendu sa vie, mais c'est tout. Bon bah, on peut continuer un petit peu. Il y a une dresse avec Salamèche. Ah, je me suis fait attaquer. Est-ce que tu connais Kersebuli?
Le petit animal Kersebuli. Moi il me dit, est-ce que tu connais les dresseurs costumés? Kersebuli Shadow. T'es niveau 29? Paralysé. Non, je sais pas quel niveau je suis. Piou! C'est très efficace. Je sais le méchant KO! Ah, t'en as un autre, c'est qui? C'est Osley. Bon, il en a pas d'autre. Moi, il me fait peur, Osley. Pourquoi qu'il en a un autre? Ah, si. J'ai peur de Mazdos. Ah! Oh, Mazdos, il m'avait fait pas trop mal, moi, quand je me le suis pris. Ah, moi, il me tue pas, mais j'ai peur quand même, parce que j'ai pas soigné la L au début du match, alors du coup, bah, je vais. Chirps! Oh, il m'a chanté une chanson. Mais un Osley qui chante une chanson, quoi. Pas possible. Ce n'est pas possible. Bonne stick. Ouais, il me fait perdre 22 PV avec son bonne stick. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, Osmeran, non? Mazdos, t'as dit? Oui, c'est Mazdos. Bon, bah, je suppose qu'on va se creuser un tunnel pour revenir. Faire un tunnel. Ah! D'accord. Ah, enfin. J'ai cru que t'as été attaqué par le dresseur. Parce qu'il y a des dresseurs ici. Bro! On va creuser un trou. Bloody Desu. Ah oui, j'ai vu le dresseur, j'étais à deux cases. et puis comme ça, bah comme ça entre deux parties, tu pourras aller chercher des repousses, je suppose. Ok. Donc voilà, moi je soigne mes Pokémon quand même parce que voilà. Et puis voilà, ce serait bien. Et puis voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.